Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Je vous ai préparé une vidéo de motivation vie de maman, je compte sur vous pour la regarder jusqu'à la fin. Je fais cette introduction pour vous dire merci. 10 000 merci à chacun d'entre vous pour avoir cliqué sur s'abonner. Aujourd'hui, nous sommes 10 000 abonnés sur la chaîne. Et c'est à vous que le mérite revient. Merci infiniment. Merci à vous tous. Merci de me supporter depuis le début de cette aventure. Merci les amis. Merci beaucoup. Continuez de regarder les vidéos jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager autour de vous. C'est grâce à vos partages que la chaîne grandit. Quand YouTube m'envoie les statistiques par semaine, je vois combien de personnes ont partagé et je suis très contente. Continuez à prendre votre pouvoir en main. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Prenez votre pouvoir en main et partagez. Partagez la chaîne, les amis. Partagez. Merci beaucoup. À tous les nouveaux abonnés, je vous dis merci. Je vous vois venir et je suis très contente. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de 3 filles, dont un petit bébé. Sur ma chaîne, je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, rangement, vie de maman, un peu de décoration parce que je suis passionnée de décoration. Je vous partage mon lave-vaisselle au Cameroun. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner. Restez sur la chaîne. C'est du naturel, c'est du free, pas de chichi, hein. Ça sort comme ça vient. Alors les amis, merci. N'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous partage une grosse motivation, vie de maman. Je vous montre ce que je donne à bébé pour la nourrir. Et je vous partage un extrait de ma journée. Let's go. Là, je suis en train de faire la bouillie de bébé. C'est juste le maïs que j'ai tamisé. Donc, j'ai écrasé le maïs à sec là, j'ai tamisé et j'ai mis dans un bol. Je mélange avec la poudre de soja aussi que j'ai acheté le soja, j'ai grillé un peu, j'ai écrasé et j'ai tamisé. Je fais cuire dans cette marmite-ci avec le pilon. Je tourne pendant au moins 15 minutes pour que le mélange soit bien cuit. Il faut bien cuire ce mélange avant d'enlever, faire refroidir et donner à bébé. Quand je mets au feu, je regarde l'heure. Je chronomètre 15 minutes. Je regarde quand c'est déjà bien sec jusqu'à les bordures, là commence à coller. Je devais cuisiner ce jour-ci. Donc là, vous voyez que j'ai apprêté ma tomate, mes condiments, le poisson. J'ai tout déposé. Et je vais me dépêcher à terminer la bouillie de bébé, mettre dans le thermos bien fermé avant de commencer ma cuisine. Je commence par écraser tout ce qu'il y a à écraser pour ce repas-ci. Parce que tu peux perdre le temps là. Tu dis que non, je finis d'abord tout avant d'écraser. Au moment où tu finis ton tout là, c'est au moment là qu'il y a coupure d'électricité. Tu te retrouves en train de galérer à la pierre. C'est tellement énervant. Après avoir écrasé, je vais découper les oignons. Parce que pour ce repas-ci, j'avais la tomate que vous avez vue là, les oignons que je vais découper et mon mélange de condiments avec épices que j'avais écrasé. J'ai juste sorti cela du congélateur. Et comme toujours, à côté, il y a les enfants qui sont en train de rôder pour m'assister. Maintenant, je vais éplucher mon igname. On va faire l'igname sauté. Si vous n'avez pas encore vu ma recette d'igname sauté de A à Z, n'hésitez pas à aller checker dans ma vidéo. Quand j'épluche les ignames comme ça, j'enlève toutes les parties qui sont gâtées. Bref, ce qui est normal. J'épluche les ignames d'une manière bien propre. Un peu comme quand on veut faire bouillir l'igname, on épluche ça bien propre. Et j'ai aussi nettoyé le poisson. J'ai assaisonné juste avec du sel. Pendant que ce sel-là entre dans le poisson, je vais laver les ignames. Ce que je fais là,
Si vous êtes allergique à l'igname ou à l'eau de l'igname, ne faites pas ça. Parce que pour certaines personnes, ça démange tellement, ça fait enfler les mains. C'est mieux de mettre le gant. Si vous n'avez jamais mis vos mains dans l'igname, vaut mieux commencer par les gants. Moi, j'ai grandi en faisant ça comme ça. L'eau de l'igname, si ça gratte, ça gratte bien même. Et beaucoup de personnes font l'allergie à ça. Ça démange jusqu'à. Donc, j'ai lavé dans la première eau. Maintenant, je vais rincer. Et mon igname sera OK, bien propre pour aller dans la marmite. Maintenant, je fais frire mon poisson. Les repas rôtis, sautés là, je préfère les faire avec le poisson frit. C'est dans les bouillons que je lance le poisson. En réalité, je ne suis pas trop fan du poisson bouilli. Mais bon, il arrive qu'il y ait des repas où on doit juste mettre ça comme ça. J'ai apprêté ma marmite. J'ai pris une marmite plus grande parce que l'igname était aussi beaucoup. Avant de commencer à cuisiner, il fallait que je mange un petit truc. J'avais déjà faim. Vous connaissez les mamans qui allaitent là, qui ont toujours faim. Entre-temps, c'est toi qui veux faire l'effort de perdre le poids, mais l'allaitement te montre que tu dois manger. Parfois, je me lève comme ça, j'ai l'impression que je vais même tomber. Donc, j'ai pris l'avocat. Pour manger avec les bâtons. J'ai chauffé les bâtons vite fait et je me suis mise à manger avec l'avocat. C'est très bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ça. J'ai fini de manger même avant de me rappeler qu'il faut que je donne aussi pour les enfants. J'ai fini de manger avant de couper pour les enfants. Mais c'est vrai que les enfants n'avaient pas faim. Mais comme quand les mamans mangent, il faut aussi qu'elles mangent. Il faut qu'elle soit là. Tu ne peux rien mettre dans ta bouche sans donner pour eux. Rien. Maintenant, j'ai mis ma marmite au feu. J'ai mis l'huile. J'ai versé les oignons. Et j'ai mis la tomate. J'ai enlevé la tomate là jusqu'à la dernière goutte. Avec les choses qui sont chères là. Ha! Rien ne se perd encore. Le reste d'huile du poisson, j'ai diminué ça pour cuisiner. Mais comme c'était beaucoup, j'ai laissé l'autre dans la poêle. Je viens mettre les condiments que j'ai sortis du congélateur. Ce n'était même pas tout dégivré, mais j'ai mis comme ça dans la marmite. Le feu va dégivrer tout ça en fait. Maintenant, je mets le sel. Depuis plusieurs moments, je ne cuisine pas avec le cube. C'est vrai que quand il faut recevoir les gens, il y a des invités qui savent toujours que tu n'as pas cuisiné avec le cube. Mais en général, le secret réside dans la composition des épices. Beaucoup de poireaux, beaucoup d'oignons si possible, et aussi bien d'épices là. Et il y a aussi des recettes pour faire son cube maison avec mbunga, crevettes, beaucoup de condiments, beaucoup d'épices, surtout poireaux, oignons, poivrons. Maintenant que tout est dans la marmite, j'ai mis les ignames dans la marmite, je vais juste tourner. Tout y est. Il suffit de fermer et laisser cuire avant de venir mettre son poisson. Pendant que ma marmite est au feu, je vais gagner en temps en faisant ma vaisselle. Je vais venir laver les ustensiles du bébé.
biberon, tilet, gobelet, assiette et tout. Et là, je vais vous montrer ces autres ustensiles que j'ai achetés récemment, vu que j'ai commencé avec la diversification alimentaire. Il lui fallait assiette et cuillère. Cette marmite-ci est réservée spécialement pour les biberons de bébé. C'est à l'intérieur que je stérilise les biberons avec de l'eau chaude et quand j'enlève, c'est à l'intérieur que je laisse de l'eau pour lancer les biberons et les assiettes déjà utilisées. Après, je viens juste laver comme vous voyez là. Les ustensiles de bébé, il faut bien en prendre soin, bien laver, bien rincer et stériliser. C'est vrai que les spécialistes disent qu'il n'est plus nécessaire de stériliser au moment où bébé ramasse déjà les choses et met dans sa bouche. Mais si vous voulez, vous pouvez continuer à stériliser comme moi. Depuis que j'ai acheté les assiettes là, je ne mets pas forcément de l'eau chaude sur ces assiettes et ces cuillères. Mais quand ces biberons tétinent là, je ne sais pas pourquoi. C'est dans ma tête. J'ai toujours envie de mettre de l'eau chaude avant de mettre de côté. Donc, c'est des choses où il faut vraiment avoir beaucoup d'hygiène pour éviter que bébé ne te fasse la diarrhée, voire même les constipations, la grippe, la toux. Tout peut passer par les ustensiles de bébé. Voilà pourquoi il faut bien en prendre soin. Bien même en prendre soin. Moi, j'ai acheté ce bac transparent-ci pour garder tout à l'intérieur, pour que les choses du bébé ne soient pas exposées à la poussière. Quand la poussière se pose dessus, je nettoie tout simplement le dessus là. Je suis allée vérifier mon thermos comme vous voyez là et il n'y avait plus de l'eau chaude. Donc j'ai juste mis de l'eau chaude à brancher pour venir après mettre sur les assiettes que j'ai lavées là. J'avais demandé à ma fille aînée de m'aider en sortant les biberons pour mettre dans ce bac-ci. Elle a sorti, mais elle n'a pas bien secoué. Elle n'a pas bien égoutté. Il y avait encore de l'eau. Donc, c'est ce que je suis en train de tout vider là pour essuyer le bac. J'aime quand les biberons n'ont pas de l'eau à l'intérieur et que le bac aussi est sec. Je préfère comme ça. Je vous avais parlé de cet accessoire-ci pour bébé sous forme de tétine, mais une tétine creuse avec les trous dans laquelle on met les fruits. Vous pouvez mettre banane, orange, mandarine, tout ce qui est mou là pour que bébé mette dans la bouche. Ça vient avec plusieurs tétines là. Pendant que bébé mâche et mâche, le jus sort. Et c'est trop pratique. Je mets la mandarine à l'intérieur, la banane douce et l'orange. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai utilisé comme fruit à l'intérieur. Je n'ai pas encore mis la pastèque. Ah, j'ai aussi mis la papaye. J'ai mis la papaye molle là. Et c'était trop bien. Quand bébé appuie, ça sort de côté. Et après, il y a toujours un petit reste à l'intérieur. Ça m'a coûté à peu près 2000. À peu près 2000. Mais c'est facile aussi pour aider bébé à être autonome. Tu mets son fruit dedans, tu lui donnes, tiens ça, et elle mâche. Le gobelet de bébé, vous savez, je l'avais acheté depuis, mais ce n'est pas très pratique. Je pense que je vais le changer. Les petits petits ustensiles de bébé là, les petites cuillères, tout ce qui est petit petit là, je mets dans ce bol transparent, je ferme avant de mettre dans le grand bol. Ce lot de cuillères-ci, j'avais acheté à 500 francs. À Maïma, je pense bien. Donc tout ce qui est petit petit là, je mets dans ce bol transparent pour ne pas venir tourner tout pour trouver une petite cuillère. Je le fais par expérience.
parce que versé à l'intérieur comme ça, tu peux chercher quelque chose jusqu'à au milieu des gros biberons là. Je préfère que les petits petits soient tous dans un bol. Et là, j'ai mis les accessoires de mon tiller électrique. Là, c'est le bol que j'ai acheté à bébé, un bol très moins cher avec sa cuillère qui vient comme ça. La cuillère est protégée, la cuillère est couverte, même si ce n'est pas dans un grand bol. C'est très top. C'est dedans que je mets sa bouillie, ses repas pour la nourrir. Après, comme je vous ai dit, je suis toujours ce grand bac-ci là parce que la poussière se pose dessus et quand je ne suis pas, je lave tout simplement. Voilà le dernier sachet congélation que j'ai, mais je vais le jeter. Je n'ai plus besoin de sachet congélation, bébé est déjà grand. Je n'ai plus besoin de congeler le lait parce que même la production de lait commence à diminuer vraiment. Ça diminue franchement. Comme vous voyez, j'ai changé le bout du gobelet de bébé. J'ai enlevé la tétine pour mettre ceci. Ça vient avec les deux en tout cas. Mais ce gobelet, si ça coule, c'est pas très très pratique. L'eau ne tient pas bien dedans. Quand tu inclines un genre, ça coule. Parfois, fermé, même est difficile. Donc là, je vais venir sortir la bouillie de l'enfant de ce thermos-ci. Ce thermos-ci qui ne conserve plus vraiment comme au départ. C'est le thermos que j'ai utilisé pour Elsa. Je mettais sa bouillie dedans. Tous les matins, je me lève, je fais la bouillie de bébé, je mets dans le thermos. Ici, c'est le maïs que j'ai tamisé. J'avais commencé par la bouillie tantie elle-même, mais bébé n'a pas apprécié. C'est nous-mêmes qui avons bu ça. Quand c'est fini, j'ai écrasé le maïs, j'ai tamisé. Et dans ce bol-ci, bol rectangle-ci, c'est le soja. Le soja que j'ai acheté, j'ai trié, j'ai grillé et j'ai fait écraser, toujours à sec. Je prends 2 cuillères de soja, 1 cuillère de maïs et je fais cuire. Après, je suis obligée d'ajouter le lait, sinon bébé ne va pas boire. Je n'ai pas de choix. Si elle ne sent pas un peu l'odeur de son lait là, elle ne va pas boire. Je suis passée au lait second âge parce qu'elle a déjà 6 mois, plus de 6 mois maintenant. Et c'est ce qui est recommandé en tout cas, c'est ce que le pédiatre m'avait recommandé. Les experts disent qu'après avoir fait la bouillie de l'enfant, on n'a pas besoin de mettre son lait, on n'a plus besoin d'ajouter le sucre. Pour le sucre, vraiment, j'évite jusqu'à un certain âge. Mais pour le lait là, je suis obligée d'ajouter, sinon elle ne boit pas. Elle ne boit pas. Les nutritionnistes vont dire que non, quand on fait la bouillie de l'enfant, plus besoin d'ajouter le lait et tout. Mais elle ne boit pas, je suis obligée de faire comme ça. Pendant ce temps, les ignames sont en train de bien cuire au feu et je viens regarder et ce sera le moment d'ajouter le poisson. Voilà, je ne pouvais pas ajouter au départ parce que le poisson était déjà cuit et fait frire. Maintenant, je mets ça, j'essaye de tourner un peu sans toutefois saccager. Hein. Je vais porter la mamie là, tourner juste pour que la sauce remonte et recouvre le poisson. C'est en fait ça. Quand vous faites ceci, soyez très prudent que la sauce ne se verse pas sur vous. Que la sauce ne se verse pas sur vous. Cette action-ci permet non seulement que la sauce remonte sur le poisson, mais ça fait aussi que la sauce pèse un peu. Parce que quand l'igname se frotte là, ça fait peser la sauce. Même quand c'est la banane malassée, je fais ça. Voilà les deux goupillons que j'ai achetés au China Mall parce que mon ancien, si la mousse commence à devenir bizarre. Ça commence à devenir bizarre. Il faut sécher pendant longtemps pour réutiliser. J'ai préféré racheter le goupillon avec brosse. Je sais pas si on appelle ça brosse. Mais au moment où je vous parle, sa mousse là est en train de quitter. J'ai acheté ça au Fundi Mall. En attendant que bébé se réveille, et pendant ce temps, sa nourriture refroidit. Je vais boire un peu du jus qui est prévu pour boire en mangeant en fait. Ces jus-ci, quand je les achète, j'essaie toujours de couper. Je coupe. Mais là, j'ai pris un peu pour boire. Je vais couper plus tard avant de verser dans la carafe. Je ne donne pas ce jus-là à l'enfant. Je préfère lui presser l'orange sur cet ustensile-ci. C'est très pratique pour presser orange et citron.
C'est vrai qu'il y en a électriques qui sont plus rapides, mais ce petit-ci est moins cher et pratique pour presser les oranges et donner à bébé. J'ai déjà commencé à donner les jus d'orange à bébé et elle apprécie quand même. Maintenant, bébé va passer à table. Comme elle était en train de dormir, il fait très froid avec les pluies ici. J'enlève la cape qu'elle avait là pour lui mettre le bavoir pour qu'elle mange étant à l'aise. Elle ne mange pas étant saturée. Je vais la nourrir. La nourrir, c'est d'abord une séance de bagarre. Parce qu'elle n'aime pas manger. Je la serre, elle me salit avec ça, elle essuie sur moi. Parfois, elle renvoie même sur mon visage. Mais je suis obligée de forcer pour qu'elle ait quelque chose dans le ventre. Parce qu'à plus de 6 mois, le sein n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. Je force, je force, je donne. Elle prend bien les premiers cuillères. 1, 2, 3, là, elle prend. Mais après, pour qu'elle finisse, c'est la guerre. Heureusement, je me suis battue jusqu'à ce qu'elle a terminé ce plat-ci. Parfois, je force n'importe comment. Là où elle dit qu'elle s'arrête, elle serre sa bouche. Donc, elle a même fini parce qu'elle voulait. Elle m'a seulement laissé en tout cas. Il y a des fois où quand elle dit non, là, elle dit non. Elle serre sa bouche. Et après ça, je lui donne de l'eau pour qu'elle puisse bien digérer. Notre repas est prêt. Maintenant, nous allons servir et passer à table. Quand bébé a déjà mangé là, je peux la déposer et bien manger moi-même. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!